Voici donc Trek Storm. Vous venez de voir en vidéo sa fille Queen Storm qui a gagné les Aux du Qatar, issue de sa toute première génération. Aux du Qatar, où Trek Storm d'ailleurs était le père du jumelé, hein, puisque la deuxième était aussi une de ses filles. C'est en effet un cheval qui a commencé à saillir au Qatar avant de revenir en France depuis l'année 2020 au haras de la Barolière. Cheval, comme vous le voyez, avec un modèle assez impressionnant et qui a été un très, très, très bon cheval de course. Vu au haut niveau toute sa carrière, il a gagné le Woodbine Mile, un groupe 1. Il a gagné aussi à Dubaï le Zabel Mile. S'est placé de la Breeders' Cup Mile derrière Caraconti et Anodin, du Jebel Atta. Il a pris plus d'un million de livres de gains, ce cheval, sous les couleurs Qatar Racing. C'est un fils de Threadfare. Threadfare, qui est un étalon peu connu, qui n'a pas connu un grand succès aura ayant peu sailli, mais Threadfare a donné ce Trade Storm dur comme un cric au modèle impressionnant, et pourtant c'était un pur miler qui avait un très gros changement de vitesse. Cheval avec un excellent mental, vous le voyez, qui a donc eu ses premiers produits français nés en 2021, mais en attendant au Qatar ça se passe très bien puisqu'il fait le jumelé des Aux locales, un cheval de 1m66 stationné donc au haras de la Barolière. Un croisement facile à effectuer en fils de Threadfare avec une mère par Slip Encore, facile à croiser. Et par contre, ces produits, vous voyez, ils ont ce changement de vitesse qui était sa caractéristique. Il sera proposé cette année encore à 3 000 euros ce Threadstorm.